je vais vous présenter le livre « Les enquêtes potagères de Loulou, les péchés sans tête ». Écrit par Isabelle Cabri, illustré par Eva Roussel. Ça parle d'une petite fille qui résout des enquêtes avec son assistant, Mister Poirot. Elle s'appelle Loulou, elle adore les romans policiers. Les péchés de sa mère ont été décapités. Elle est dans tous ses états. Elle pense que c'est le frère de Matt avec ses amis. Ils passent leur journée à faire du monde. J'étais tellement perdue dans mes pensées que je n'avais pas vu arriver Matt et son frère en vélo. Tu sais bien que lorsque je réfléchis, j'ai tendance à penser à voix haute, dit Jean Souriant. Salut Hugo! Salut Loulou! Il paraît que tu as besoin de jeter un œil sur les vidéos que j'ai faites avec mon drone. Uniquement celles où on voit mon père, si ça ne te dérange pas. Je voudrais vérifier un petit détail qui peut faire toute la différence dans la résolution d'un mystère. Comment dire? Familial et jardinistique. Ne t'inquiète pas, je suis au courant. Matt m'a expliqué. Tiens, tu peux regarder. J'ai transféré le film sur mon téléphone. Si ça peut te permettre de me disculper définitivement aux yeux de ta mère. Je lance un regard réprobateur à Matt. Et les joues toutes rouges, j'attrape le téléphone et démarre la vidéo. Le film est de bonne qualité et on reconnaît très bien la maison des voisins d'en face. Puis, le champ de vision change. L'image montre maintenant le bout du terrain des voisins. Le chemin, notre champ et